Voilà, C'est parti, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve aujourd'hui au Golf PGA France du Vaudreuil pour une session euh, stratégie depuis le TI de départ. On a pris un tout petit peu de retard, on est désolé, il a plu donc on ne savait pas trop si on allait pouvoir le faire à l'extérieur ou pas. On espère que ça va tenir. En tout cas, on est ravi de vous retrouver aujourd'hui sur les antennes du journal du Golf pour la stratégie depuis le départ. Vous savez que depuis maintenant quelques jours, même on va dire quelques lives, je suis beaucoup avec vous sur la stratégie euh, de départ, sur la stratégie d'un point de vue général et aujourd'hui ça va être depuis le départ. Si depuis le départ déjà votre premier coup n'est pas on va dire comme il faut, si vous ne prenez pas la bonne décision, la bonne option forcément ça va avoir un impact sur le reste de votre trou et sur votre carte de score. Donc le premier trou a toujours beaucoup beaucoup d'importance. Première chose, est-ce que tout le monde va bien Est-ce que tout le monde me voit bien Est-ce que tout le monde m'entend bien C'est très important. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc là on est au, au, au trou numéro 8 du Golf PGA France du Vaudreuil. Euh, merci de me dire, très important. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, c'est très important. Oui. On est à l'extérieur, donc c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, on essaye, on essaye pas mal de choses. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donna, bonjour. C'est bon, c'est parfait, génial, génial, super. Donc je suis désolé, vous avez vu les WIS hier au depuis Sainte-Maxime. Il faisait un petit peu plus beau chez lui. Ici, il fait un peu plus froid, mais bon, on a, la, on a une chance formidable d'être au golf. Euh, et tout est OK. Super, le son est parfait. Génial, génial. Quand vous êtes du départ, première question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous avez tendance à toujours jouer le même club, en général, le driver, ou est-ce qu'il vous arrive d'avoir des choix un peu différents? Quand je dis différents, le driver, le bois 3 ou un fer. Est-ce que... Donc première question, est-ce que vous jouez toujours de driver, oui ou non Ou est-ce que vous utilisez d'autres clubs Question numéro 1. Bonjour à tous, salut Alvin, Patrick, Bruno, le son est super, ok. Donc avant de démarrer, je veux juste savoir si vous utilisez toujours le même club ou si vous utilisez des clubs différents. Non, Francine, super. Toujours le drive, Donna. Alors, la première des choses pendant que vous répondez, voilà les trois clubs dont on va parler ensemble aujourd'hui pour choisir depuis le départ notre stratégie. Le driver, ce on voit bien ici, Max. Le driver. Le bois 3, allez, pour moi c'est un bois 4 et le fer 2. D'accord Donc, ça, c'est les trois clubs dont on va parler aujourd'hui que l'on va utiliser. Hyper important. Et ce qui va être déterminant aujourd'hui, c'est le choix qu'on va faire. Quel choix vous allez faire quand vous allez utiliser un club au départ Alors, quelles sont vos réponses Plein de questions géniales, ça dépend, j'adore. Tout dépend de la longueur, génial. Toujours Drive. Merci Eric. Le son est bon, ça dépend du parcours, ça dépend. Souvent un club qui permet d'aller plus loin possible, driver. Ok, driver, bois 3, faire 2, Thomas. Super Thomas. Driver, bois 3, faire 3. Génial, 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 génial. Maintenant, ma question c'est comment est-ce que vous choisissez le club que vous allez utiliser au départ Est-ce que c'est uniquement par rapport à la distance Est-ce que c'est par rapport à votre sensation du jour Comment vous utilisez ce club que, 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 vous, que vous allez choisir au départ. Ça, c'est ma question. Et moi, je vais vous expliquer comment je fais et comment font en général. Euh... Non, ça va, merci Yannick, pas trop froid, je suis très content d'être avec vous. Euh, tout va bien, c est, c est, c est... honnêtement, c'est du bonheur. Euh... Donc, si on regarde ensemble, ce qui est important, c'est le choix, bien évidemment, de, du club au départ. Et pour ça, je vais vous expliquer comment font les meilleurs joueurs de la planète. Les meilleurs joueurs de la planète, ils ont la chance, d ils ont la chance, je dirais, de pouvoir utiliser un carnet de parcours. Donc là, on est au trou numéro 8 du golf PGA France du Vaudreuil. Et si vous voyez, si on regarde, je vais pouvoir grossir l'écran probablement, j'essaye. Là, aujourd'hui, on fait des choses un peu spéciales. On voit ce trou numéro 8. Et regardez si je mets à l'écran... Le carnet de parcours du Challenge Tour, parce qu'on a la chance au Golf PGA France de recevoir un Challenge Tour. Euh, donc là, vous voyez, c'est peut-être pas très clair, mais ça, c'était en 2019. Malheureusement, il n'y a rien eu en 2020, du au bien évidemment à cette crise sanitaire que nous vivons. Et ça, c'est le carnet de parcours des joueurs professionnels quand ils viennent jouer au Golf PGA France du Vaudreuil avec le même dessin en bas que ce que vous voyez au bout. Et ça leur permet quoi De déterminer ce qu'ils doivent faire. Donc là, qu'est-ce que l'on voit Alors, Je suis désolé, c'est pas très, très clair. J'essaye de... Mais je suis sûr que vous allez comprendre. Euh, qu'est-ce qu'on constate On constate que par rapport au fond, 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 234 de bunker, 221, voilà ce que l'on voit quand on est joueur professionnel. Et ça, je me répète, et pour ceux qui me font l'honneur de suivre les lives, c'est quelque chose d'hyper, d'hyper, d'hyper important, le carnet de parcours. C'est comme votre GPS. Si vous devez aller d'un point A à un point B, de savoir exactement quel G... comment y aller, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça, c'est absolument génial. Donc si on constate sur ce carnet, on a des bunkers. Alors ici, ils vont être un tout petit peu moins loin et on va le voir ensemble. Mais il y a des bunkers à gauche. Et si je me mets ici, on va avoir plusieurs choix. Quel choix on va avoir On va avoir le choix de rester court des bunkers, de jouer ici au milieu des bunkers ou de dépasser les bunkers pour avoir sur ce par 5 un deuxième coup qui me permet d'attaquer le gain. Donc plusieurs options. Vous, quelle serait votre option Est-ce que vous allez jouer court, juste après les bunkers, ou essayer de couper pour aller tout au bout Quelle va être votre option Je vais vous expliquer ensuite la mienne. Alors, distance, c'est ce qui peut faire que me bloque à mettre le drive, sinon en fonction des bunkers de parcours, leur distance, sinon en fonction de la largeur du fairway. Thomas, c'est absolument parfait. C'est tous ces choix-là. Euh, distance, météo, sensation physique ou état mental, difficulté du coup. Magnifique, Bruno. Magnifique, Bruno. Magnifique, Thomas. Donc, des choix qui sont logiques. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que ce choix-là soit déterminé par des choses simples. Fabien, magnifique. Je joue le club qui m'éloigne. Euh, des dangers à retomber hors limite, bunker, obstacle, dos, soit je reste court, soit je survole, si le danger, j'ai la longueur super. Au-dessus des bunkers, si... tout dépend de la distance des bunkers, super. Donc, ça me va bien. Alvin, un gros drive au-dessus des sapins. Je vais essayer tout à l'heure, mais pas sûr. Donc, tout ça, ça me va super, et vous êtes tous et toutes hyper logiques. Maintenant, le plus important, c'est de pouvoir faire ce choix. Et, je dois remercier, excusez-moi, je pas la casquette très droite, je dois absolument aujourd'hui remercier... Une société golf plus golf plus point fr aujourd'hui m'ont fourni l'outil de mes rêves pourquoi comme je vous le dis maintenant régulièrement hop là excusez-moi comme je vous le dis maintenant régulièrement ce carnet de parcours pour moi est hyper important que vous connaissiez vos, vos distances c'est hyper important et bien et bien évidemment d'avoir ce qu'on appelle un télémètre est super important et là j'ai quelque chose qui va me permettre de faire des choix extraordinaires. Ce qu'on voit d'ici, alors ça s'appelle le Z82 de chez Garmin et c'est un truc de malade mental. Pourquoi Parce que grâce à ça, je vais pouvoir faire mon choix. Tout le monde ne peut pas avoir ce carnet de parcours. On aimerait bien tous avoir ce carnet de parcours. Et pourquoi je vous le dis souvent Parce que le fait d'avoir cette vue aérienne me permet d'avoir une vue beaucoup plus objective. Quand je suis comme ça et que je m'apprête à jouer, je vois les bunkers, je vois les arbres à droite. Je n'ai pas cette vue beaucoup plus globale de dessus qui me permet d'avoir un choix raisonné. Pourquoi Parce que quand je suis ici, je vois que les bunkers ne sont pas si importants. Quand je suis ici, je ne vois que les bunkers. Donc d'avoir cette vue aérienne me permet toujours d'être beaucoup plus objectif. D'accord Eh bien, ce télémètre, pour moi, ça fait plusieurs semaines que je vous parle d'outils. C'est l'apothéose. Alors hier, vous avez vu Lewis Wallace qui avait la montre. Ça, c'est absolument génial parce que dans ce télémètre, je peux à la fois viser là où je veux aller et j'ai le dessin du trou sur le côté. Je vous montre parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer notre choix de club. Alors. Voilà en quoi ce télémètre est plutôt pas mal. C'est que, comme vous pouvez le constater, vous avez ici ce que vous voyez dans la lunette et là le dessin du trou à gauche, et c'est ça qui va vous permettre de faire le choix, donc hier j'ai fait des tests, test au trou numéro 1 du Vaudreuil, alors je suis désolé pour la qualité de l'image, c'est pas terrible, mais c'est ce que je vois dans la jumelle, et pourquoi c'est génial, je suis au départ ici, là j'étais avec, euh, avec ma femme qui, qui, qui drive à peu près à 200 mètres, et ça c'est la distance euh, qu'elle faisait, euh, au drive. Donc je peux déterminer exactement où je vais, ça va me mettre où sont les obstacles. Du départ, je savais que l'entrée du fairway était à 151, 151 mètres, que l'entrée du bunker est à 190 mètres, et, et mon épouse qui fait 200 mètres, elle arriverait ici. Si et moi, je me suis mis ensuite à 250 mètres, j'arriverai là. Donc ça me permet dès le départ de faire des choix. Alors je ne sais pas si on va euh, bien le voir ici. Ça, c'est au départ, on a fait ça tout à l'heure au départ de ce trou-là. Euh... Et c'est tout à fait génial. Hop là. Alors on a essayé, c'est pas facile de viser avec la lunette, vous comprendrez bien. Non, on, on, on le verra pas malheureusement. Mais c'est absolument génial parce que c'est ça qui détermine mon choix. Pour déterminer ce que vous devez faire, euh, pour déterminer ce que vous devez faire, vous devez savoir, vous devez avoir à la fois un outil qui vous permet de savoir à quelle distance vous allez et un outil qui permet de savoir à quelle distance vous devez aller. Donc là, on a plusieurs choix. Le premier choix est, donc là, je prends. Hop là, télémètre. Je sais que l'entrée des bunkers à gauche est à 186 mètres. Et que pour passer des bunkers, j'ai 193 mètres. Donc déjà, c'est la première des choses. Je sais que je dois faire au minimum, allez au maximum, pardon, 180 mètres pour assurer et éviter les bunkers. C'est mon premier choix. C'est un par 5. Comme vous l'avez très justement dit. Sur un, sur, il y a la condition météo, il y a la forme du jour. Euh, clairement, on est en plein confinement, je joue pas beaucoup en ce moment. Donc ma priorité est de faire en dessous de 180 mètres, mais d'être sûr de la mettre sur le fairway. Comment je vais faire pour faire ça est qu'on a les deux caméras, Max, face profil ouais, Super. Comment est-ce que je vais faire pour faire ça Je vais utiliser déjà pour faire 180 mètres. Alors j'ai un fair 2, là c'est vraiment beaucoup plus court, je vais utiliser mon fair 3. Et, et je veux absolument assurer à la fois mon contact, à la fois ma direction. Ma seule priorité est de la mettre sur le fairway en faisant maximum 180 mètres. Donc, c'est un club avec lequel je fais en général 190 mètres. Mais je vous dis, il fait froid, on est en hiver, je ne tape pas beaucoup de balles en ce moment. Comment je vais faire ben, Je vais faire des choses simples. Je vais retirer ça pour que vous voyez mieux de face. Je vais faire des choses très simples. Déjà, je ne vais pas mettre de tee ou si je mets un tee, je vais le mettre très, très bas. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle… Un Coup punché, j'oserais pas dire un stinger parce que stinger c'est bien évidemment Tiger Woods et, 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 et bien évidemment je n'oserais employer les mêmes termes et <laughs> imaginer faire les mêmes coups que Tiger Woods. Et là je vais mettre ma balle plutôt au milieu de mes pieds, ma pression et mon poids un peu plus à gauche et là je vais faire un coup assez court, très simple pour que la balle parte droite. Elle est partie un petit peu à droite, mais assez à peu près la trajectoire et la distance que je voulais, d'accord. Donc elle est un peu à droite, certes. Maintenant, est-ce que j'ai fait la bonne distance On va le vérifier ensemble. J'ai mis le trackman au sol. Et là, mine de rien, on voit qu'elle a été un petit peu trop loin parce qu'elle a pitché à 160 mètres et roulé à 190 mètres. Donc elle est trop à droite. Mais ça, clairement, c'est trop. Donc mon choix n'est pas bon. Et c'est pas à le faire 3. Euh... Je te promets. Jean-Guillaume Serrier, qui est euh, un arbitre de la Fédération française de golf qui s'occupe de notre tournoi ici au Vaudrey, à qui je fais un grand coucou. Je te promets que je vais taper la masse dans quelques temps, mais pas tout de suite. Donc voilà, là déjà, erreur de ma part. J'ai fait plus de distance que ce que je pensais. Euh, pour tout vous dire, j'ai reçu euh, ces clubs-là la, la semaine dernière et je ne et, et suis pas encore bon sur la distance. Et vous voyez, typiquement, mon erreur est claire et simple. Je ne connais pas la distance que je fais encore avec mes clubs. J'ai des nouveaux clubs, ils vont un tout petit peu trop loin. Donc, je vais prendre le Fair 4. formidable. Même club que. Je suis très fier que Cameron Smith, qui a fini deuxième la semaine dernière à Augusta, et surtout qui est le premier joueur de l'histoire à avoir fait 4 tours euh, en dessous des 70, dans les 60. Donc, Fair 4. Je vais vérifier sur ce trou-là si le Fair 4 va être le bon club. Donc, là, balle au milieu, le point un peu à gauche et un finish assez court. Voilà, celle-ci est pas mal. C'est exactement ce que je vais faire. est ce qui est intéressant c'est qu'elle est dans l'axe des bunkers. Donc on va voir si c'était le coup à faire. Ah, il n'a pas eu. Ah, s'il si, l'a eu. Bon, elle est encore un peu forte. Elle est encore un petit peu forte parce que vous allez voir que j'ai fait 187 mètres. Donc là, j'ai du mal à, à, à avoir la bonne distance. Et il faut que je continue, probablement en grippant plus court, mais je veux absolument avoir cette capacité de la faire encore plus courte pour réussir quand même à faire en dessous de ces 180 mètres. Vous voyez comme c'est intéressant Là j'apprends. Alors bien évidemment j'ai le Trackman, mais avec, euh, avec la Garmin c'est exactement la même chose, vous pouvez apprendre de la même manière, mais là j'apprends mes distances, j'apprends à, à connaître mes nouveaux clubs, je fais ça en direct avec vous. C'est exactement ce que je veux faire. Donc vous avez vu un swing très court, parti plutôt dans l'axe. Je ne sais pas si on l'a vu. Ouais, je veux bien un axe. Ah, et ben voilà, on y est 178 mètres. C'est exactement ce que je souhaitais faire. Donc là, on est bon. Je sais sur ce coup-là, pour le premier coup, c'est-à-dire pour faire en dessous de 180 mètres, qu'il faut que je tape. Euh, un tout petit fer 4 grippé court. Donc, ça déjà, je le sais. Maintenant, deuxième chose, ce qui m'intéresse, c'est d'être à la hauteur des bunkers qui sont, eux, euh, un tout petit peu plus loin, mais je vais vérifier. Je vais vérifier maintenant avec mon outil. Et je n'ai avec, alors, hyper important, donc c'est à la fois un télémètre, c'est à la fois un GPS, car comme vous l'avez vu sur mes incrustations, vous avez le parcours à côté qui est dessiné. Donc, je n'ai besoin en rien d'avoir mon téléphone portable. Je ne m'occupe de rien, ce qui est très bien. On est déconnecté et quand on est sur le parcours, c'est tout à fait idéal. Donc, là, qu'est-ce qui se passe Je viens ici, je regarde pour. Et je n'ai pas besoin de taper ou de viser quoi que ce soit. J'ai le dessin du parcours et je sais que pour passer le bunker à gauche, il faut que ma balle pitch à 211 mètres. OK OK, j'essaye, ça vous va Est-ce que vous avez des questions jusque-là Allez, je vais essayer. Je vais taper. Donc moi, j'ai un bois 4. Je vais taper mon bois 4. Et on va voir avec ce bois 4 si je fais la distance, donc c'est 211 mètres, au moins en portée de balle. Donc là, avec le bois 4, techniquement, qu'est-ce que je vais chercher à faire des choses assez simples, à savoir, je vais mettre ma balle centre-gauche au niveau de mes pieds, je ne sais pas si la caméra est vraiment dans l'axe, mais centre-gauche au niveau des pieds, on voit bien, Max, super, et là, je vais essayer surtout de ne pas forcer, un swing assez simple, vous avez vu que je mets, je mets le tee assez bas, avec, avec mon bois 3, mon bois 4, je laisse juste, en gros, pour faire simple, le bout du tee à l'extérieur, et là, je ne cherche en aucun cas à forcer. Je veux juste mettre la balle au milieu du fairway. Pas d'effort. Centre gauche au niveau de mes pieds. Très équilibré. Droite-gauche. Gauche-droite. Très simple. Très neutre. Et à partir de là, un mouvement sans effort. OK. Ça me va. Aïe, aïe, aïe. tout petit peu court donc j'ai fait un coup plutôt droit parce qu'on voit qu'elle est à 6 mètres du milieu du fair west qui était plutôt pas mal mais trop court 205 222 je sais qu'il faut que je pitche au moins à 211 euh, donc là il va falloir quand même que j'accélère un tout petit peu peut-être aussi que ce n'est pas le bon club parce que, avec le bois 3, le bois 4 au départ, l'idéal est quand même de ne pas faire trop d'efforts, de ne pas trop forcer. Donc, je reste une fois. Peut-être que ça sera forcément le driver sur ce coup-là. Honnêtement, j'ai fait deux coups. Euh, qui pour moi sont plutôt bien. Max, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est plutôt deux coups corrects. Donc je sais que je ne peux pas faire mieux que ça. Je sais que je ne peux pas faire mieux que ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait, les amis 211,7. Tout juste, 230 total. On voit que ma balle est 4,1 à gauche du milieu du fairway ce qui est plutôt pas mal. Donc je ne peux pas faire mieux. Donc là, je suis face, clairement, à un vrai dilemme. Pourquoi est-ce que je suis face à un vrai dilemme Je sais que pour passer les bunkers de voler, j'ai besoin de faire mon meilleur coup. Donc, il faut que les conditions climatiques, aujourd'hui par exemple, les conditions climatiques sont fraîches, je ne suis pas en pleine forme physiquement, c'est très limite. Donc là, ce que je sais, grâce toujours à quoi À lui, en un, et en deux, à ma connaissance de la distance que je fais avec chaque club, qui va mettre aussi indiqué par cet outil-là parce qu'au practice, je vais pouvoir l'utiliser. Euh, Aujourd'hui, je sais déjà que euh, le premier choix pour être court, du faire 4 et court, je l'ai et qu'avec le bois 3, en tout cas pour moi le bois 4, je suis limite. Je le sais, je le sais. Maintenant, on va aller un peu plus loin et je vais essayer avec mon driver. Comme l'a comme dit euh, Jean-Guillaume Sirier, il veut une grosse bombe en drogue. Par contre, qu'est-ce que je fais avec mon driver et qu'est-ce que m'a indiqué mon télémètre Garmin, il m'a indiqué que si je vais tout droit, et ça c'est très intéressant, il y a un facteur qu'on appelle le run out. C'est-à-dire quand je suis là et que je vise, je sais que si je vais tout droit, ouais, ça, va. ça va. Pour aujourd'hui ça va, 273 mètres, donc je sais que je ne peux pas sortir en face. Donc ça très intéressant. Donc là, il faut que je fasse entre 211 mètres. Et 273 mètres dans l'axe. Et je sais qu'il y a un petit peu de place à gauche. Bon, elle n'est pas très très bien contactée, mais ça va aller à peu près, je pense. Bon, C'était pas, vous allez voir, c'est pas la meilleure de l'année, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur ce coup-là elle a pitché à 224 mètres, c'est pas la meilleure, hein. 255, par contre elle est dans un axe qui est, qui est très bon parce qu'elle est très légèrement à gauche, donc tout va bien. Tout est pas si mal sur ce coup-là. J'en refais une, j'essaye une autre. Peut-être celle-ci, en prenant un peu plus de risques, en accélérant, en essayant de jouer un peu plus à gauche. Allez, je prends le risque. Un peu plus à gauche en accélérant. Ah, pas mal. J'étais un peu plus agressif. J'allais dire un peu plus Bryson de Chambaud. Non, je n'ai pas cette prétention. Ah, elle a touché un petit peu les armes. Mais bon, pas si mal. Écoutez, celle-ci, elle a pitché à 234 mètres. Elle a roulé à 260 ce qui est pour moi pas si mal, il fait froid, on est en plein hiver, donc plutôt, plutôt pas mal, pour moi plutôt pas mal, et, et je suis satisfait. Donc, pour résumer un petit peu, ensuite je vais répondre à votre question. Le choix que je fais au départ, il n'est dicté que par cet outil, enfin il est dicté par deux choses, en un par cet outil, qui est, je me répète, hallucinant, puisque j'ai le meilleur des deux mondes, en gros, je vais vous comparer ça à un GPS. Aujourd'hui, vous avez un GPS qui vous dit que pour aller du point A au point B, il faut prendre cette route-là. Lui, c'est un GPS, mais avec les bouchons. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est là où c'est très intéressant. Et ce que j'aime dans, ce, dans cet outil-là, c'est que j'ai à la fois, je choisis comme un télémètre classique l'endroit où je veux aller, mais à gauche, j'ai le dessin de mon trou. Je sais que si j'ai configuré mon outil comme, comme si je drivais à 250 mètres, il me met sur le dessin de mon trou la distance exacte d'où je vais arriver par rapport au trou. Donc c'est absolument génial. Vraiment, je vous conseille d'aller sur le site de golfplus.fr, Garmin Z82 et d'aller voir. Hier, Lewis, voilà, vous a présenté une montre. On vous a présenté d'autres produits. Honnêtement, je vais être clair, ça c'est extraordinaire. Mais ce qui nous intéresse, soit la montre, soit ça, c'est que vous ayez un outil. C'est hyper important, un outil qui vous permet de savoir à quelle distance vous êtes des obstacles, du trou. C'est primordial. C'est ça qui va vous permettre de progresser. Aujourd'hui, si avant d'aller sur le parcours, on me donne le choix et on me dit, OK, tu prends ton télémètre, ton Garmin Z82, mais tu dois retirer un club du sac, alors je serais triste, mais je retirerais un club du sac. Je préfère avoir un club en moins, mais avoir cet outil-là. Si je n'ai pas cet outil-là, je pars avec en allant un peu à l'aveugle, pour être, pour être tout à fait transparent. Ça me permet d'avoir les idées claires, d'avoir de la confiance et de savoir exactement quoi faire. Donc j'insiste, c'est hyper important. La montre ou le télémètre, bah, celui-là c'est le télémètre GPS, c'est le top du top, mais au moins quelque chose qui vous permette de savoir ce que vous devez faire quand vous êtes au départ du 1, quand vous êtes sur le deuxième coup, de savoir quoi faire. De ne pas prendre un club, ok, on verra bien. Non, on verra pas bien, avec ça, on sait exactement quoi faire. Et je me répète, ça vous donne une confiance absolument géniale. On a des questions. Plein de questions. Euh, alors, avec le drive, Fabien, oui, je mets la forêt de droite en jeu, effectivement, parce qu'ici, on voit cette forêt à droite qui peut rentrer en jeu. Mais je sais parce que le, 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 le télémètre Garmin m'a dit que l'entrée ici est à 225 mètres, mais ma tendance est de jouer en draw. Je sais qu'en joue, ça sera plutôt en draw. Euh, merci Thierry Maton. Thierry Maton, excellent pro, master pro PGA France, euh, aujourd'hui à Biarritz, je crois. Euh, merci, oui, joli Smash Factor, le nouveau driver me va à merveille, donc le Smash Factor est pas mal. Est-ce qu'on peut l'utiliser en compétition, ce, ce distance-mètre Absolument, Philippe, vous avez un bouton, donc ce télémètre, il permet d'avoir euh, la dénivellation, mais sauf qu'en compétition, vous n'avez pas le droit d'avoir la, dé la dénivellation, donc en compétition, euh, y a un, un, avec un bouton et le mode, vous retirez la dénivellation et vous pouvez jouer avec en compétition. Yannick, absolument ça aussi dépend de la stratégie de jeu prise au départ, soit agressive, soit tout gentil, absolument. Mais cette stratégie, je me rappelle, je, je, je me répète, excusez-moi, elle va être déterminée par les informations que vous avez, la connaissance du parcours que vous avez. Pourquoi Et je me répète une dernière fois, pourquoi ce télémètre est incroyable C'est que vous, si vous allez sur un parcours que vous ne connaissez pas, et malheureusement, ça, 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 ça nous arrive, et puis d'ailleurs pas malheureusement, c'est génial qu'on puisse connaître d'autres parcours. Regardez, vous ne connaissez pas le parcours, mais vous êtes au départ et en même temps, vous connaissez le trou puisqu'il est euh, à gauche ici, euh, le GPS Nouvel Parcours. Donc à la fois, vous ne connaissez pas le parcours, mais vous avez une vraie idée de ce qui se passe. Euh, et vous voyez ce petit trait noir, c'est ce que ce joueur-là a déterminé parce que c'est cette capture d'écran. Euh, et, et, et plus belle que la mienne, ce n'était pas simple de, de faire la capture d'écran à l'intérieur du viseur. Mais là, on voit que ce joueur-là a dû déterminer qu'il arrivait à 240 ou 250 mètres. Et c'est cette ligne noire, cet arc noir qui permet de connaître du départ par rapport à la distance où vous allez arriver et de pouvoir là aussi vous adapter. Donc, si vous jouez régulièrement des parcours que vous ne connaissez pas, là, c'est absolument génial. Ça vous donne une vraie idée de ce que vous devez faire, une vraie connaissance euh, du, du parcours. Donc, ça, c'est top. Donc oui Yannick, je me répète et, et, et je suis tout à fait d'accord avec ça, euh, ça donne, est-ce qu'on est tout gentil ou agressif euh, Avec la connaissance que vous allez avoir, votre forme du jour, vous allez pouvoir euh, déterminer quel choix vous allez faire. Mais le choix, je me répète une dernière fois, en fonction de la connaissance et des informations que vous avez. Euh, oui, désolé Tiger Kawet, l'horaire, on a un tout petit peu changé. Euh, mais c'est en replay, quoi qu'il arrive, sur, sur le journal du golf, euh, le Facebook, Autopsie en compétition. Je pense que Hervé voulait dire autorisé en compétition. Absolument. Non, Hervé. Non, je, je, je pense que personne ne va tricher. Euh, tout simplement aussi, si vous souhaitez vérifier, il y a ce petit bouton. On le voit ici. Tour. Et quand, il est, quand ce bouton-là est bleu, ça veut dire qu'il est autorisé. Quand, la, quand il ne l'est pas, pas, ça veut dire qu'il y a le slope et, et le pas slope. Donc, slope, c'est la dénivellation. Vous pouvez la retirer euh, sans aucun problème et vous pouvez vérifier. Mais euh... après, je vais être clair. Ce qui est génial dans cet outil, c'est la, dé, la dénivellation, bien évidemment. Mais c'est surtout que vous voyez le parcours, le terrain, qu'en fonction de votre distance, il vous indique là où vous risquez d'arriver. C'est ça qui est absolument génial. La dénivellation. N'est pas ce qu'il y a de plus, de plus important pour moi. A-t-on des montres avec les mêmes performances que le télémètre euh, euh, Philippe, regarde si tu peux euh, sur la page Facebook du Journal du Golf le live de mon ami Lewis Wallace hier qui a la montre Z62 de Garmin qui a l'air extraordinaire. Donc n'hésite pas à regarder. Euh, et si tu souhaites l'essayer, on te trouvera ça euh, sans aucun problème. Et n'hésitez pas, je me répète, si vous voulez encore plus de détails, le site de Garmin, mais surtout le site de golfplus.fr qui détaille euh, exactement l'ensemble de ce que peuvent faire ces produits. Quid de la stratégie initiale après un mauvais coup Très bonne question de Bruno. Tout dépend ce que vous appelez mauvais coup. Si vous vous retrouvez sous les arbres et que vous êtes obligé de, de, de vous recentrer, si vous avez quand même d'autres possibilités, ça dépend du mauvais coup. mais en général, de toujours faire le plus simple possible, Bruno. Bon, toujours le plus simple possible. Quand on essaye de récupérer en général un, un mauvais coup, on perd encore plus de coups. Essayez de faire le plus simple possible. Ça, c'est vraiment mon conseil. Le prix, Françoise. Alors, je suis pas très très bon là-dessus. Golfplus.fr. Euh, je crois 649 ou 659 euros. Alors, vous allez me dire, c'est cher. Bien sûr que c'est cher. Évidemment que c'est cher. Mais vu le nombre de coups que vous, ça peut vous faire gagner, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Aujourd'hui, les drivers... Euh, aujourd'hui, les drivers coûtent... Tous les clubs du sac coûtent assez, assez cher, ça a augmenté ces dernières années. Euh, mais la technologie que vous avez dans les clubs est de mieux en mieux, des clubs de plus en plus légers, de plus en plus tolérants. Là, Le driver que j'ai aujourd'hui, comme l'a dit Thierry, le Smash Factor est, est hallucinant, tellement il est bon. Euh, mais ça... C'est un investissement ça ça va vous faire gagner un nombre de coûts hyper important et vous allez prendre énormément de plaisir je me répète quand vous savez exactement où vous êtes sur le trou quand vous connaissez la distance quelle confiance vous allez acquérir ça va être génial exactement tiger tiger Cawet, fidèle des fidèles du journal du golf ça c'est un, un, un super euh, je trouve que c'est très bien pour finir presque cette session les amateurs en leur caddie Pardon, les professionnels ont leur caddie, les amateurs ont ces dispositifs. Absolument, ça c'est votre caddie personnel. Garmin G62, effectivement la montre que les utilisait hier. Yannick, ouais, déjà si vous avez un premier moyen de, de connaître les distances, déjà entrée de green, milieu de green, fond de green c'est déjà une première étape euh, je me répète la différence entre la montre parce que ça c'est des questions qu'on a absolument tous les jours nous les enseignants, quand les élèves viennent nous voir ils disent alors qu'est-ce que je prends la montre, le télémètre euh, l'application du téléphone portable qu'est-ce que je fais c'est des... des utilisations complètement différentes celui-ci est le plus complet de loin parce que vous avez à la fois le télémètre et à l'intérieur c'est comme si vous aviez la visualisation de la montre ou comme votre téléphone portable, le dessin du trou donc ça il fait tout c'est ça qui est absolument génial. La montre, plus simple, effectivement un peu moins précise parce qu'on ne peut pas aller taper euh, le drapeau ou aller chercher un, un obstacle précisément. Euh, donc un peu moins précise. Il y a des gens que ça peut gêner en jouant, qui aiment moins. Euh, donc voilà, ça dépend de votre utilisation. Avec le, le télémètre, aussi, ce qui y a de très bien, c'est vous êtes au practice, vous pouvez aller chercher les cibles, viser les cibles qui vous permettront de déterminer quelle distance vous faites euh, avec chaque club. Donc pour moi, celui-ci est l'outil ultime, l'outil absolu qui est multifonction avec lequel vous pourrez tout faire euh, la montre hier que Lewis utilisait, magnifique, très simple d'utilisation plus rapide, très bien, ce qui est très important avec tous ces outils là aussi, certains d'entre vous m'ont envoyé des messages en disant ok très bien mais sur certains golfs il y a les plaques au sol je peux calculer, mesurer la distance, ok très bien mais le temps de jeu que vous allez gagner avec ça et la précision est absolument géniale donc pour en revenir, euh, alors on a Jean-Christophe aussi un fidèle euh, qui nous dit, perso, je préfère les applis portables. Si vous le souhaitez, je me répète, en un, en haut de la liste, ce qui est important, c'est que vous ayez un outil qui permette de connaître la distance à laquelle vous êtes, au moins de l'entrée de green, milieu de green, fond de green et des obstacles. Why not Ok. Mais gardez en tête que, euh, enfin moi, ce que je trouve bien, c'est mais ça c'est vraiment personnel. Mais c'est de se détacher du téléphone portable, si possible, sur le parcours. Euh, et euh, mais lui, vous avez le téléphone portable ici. Je me répète parce que moi je vous dis, je ne peux pas, je ne peux plus sortir de chez moi et aller au golf sans cet outil-là. Donc là, on voit hein, 104, 172 de l'entrée, 184 par rapport à un bunker. Et de là, on voit absolument le dessin du trou. Donc ça, c'est l'application que vous allez trouver sur un téléphone portable avec un télémètre, le meilleur des deux mondes. Euh, Sylvain, qui je fais bien évidemment un grand coucou et que j'espère revoir très rapidement au, au, au Golf PGA France du Vaudreuil. As-tu entendu parler de la Garmin marque Golfeur Titan Oui, je crois que c'est la montre que porte Raphaël Jacquelin et qui est absolument exceptionnelle. Pour plus de détails, j'ai vu, et je me permets de, 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 de le dire, j'ai vu que Renaud Carlet est là la société Golf Plus. Si vous souhaitez des détails, n'hésitez pas à lui poser des questions. Je suis certain qu'il va y répondre avec grand plaisir et il va être plus compétent que moi pour ça. La seule chose, Sylvain, c'est que d'avoir une montre, forcément, euh, va aider à la performance parce que euh, vous allez connaître les distances que vous faites à chaque fois. Donc c'est hyper important. Donc euh, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Renault Carl qui vous donnera beaucoup plus de détails sur cette montre-là. Voilà, Philippe Vive, bien évidemment, ça vend du bonheur. J'ai les deux comme ça. Je confirme par la montre la distance du télémètre, car des fois, on prend en compte un arbre, par exemple, dans la ligne de visée à 20 mètres derrière. Absolument, très bien, parfait. Alors là, c'est le rêve absolu. Mais c'est justement l'idéal avec celui-ci, c'est que vous pouvez aller chercher l'obstacle et vous c'est confirmé avec le dessin du trou à gauche. Oui, Jean-Christophe, je suis d'accord avec ça. On finira là-dessus. C'est la phrase du jour. Je ne plaisante pas en disant ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. là. Vraiment, et je plaisante pas. Ce que vient de dire euh, Yannick, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. C'est de connaître vos distances. Cet outil-là, ou les autres outils de mesure, vont vous permettre de prendre une décision, de prendre une option au départ, ce qui est primordial. Et sur les deuxièmes coups aussi, on utilisera ce télémètre ensemble la semaine prochaine, où je vous expliquerai l'utilité qu'il a sur un deuxième coup, sur une attaque de Green, où là aussi il a des atouts absolument formidables. Mais la première des choses, c'est de connaître ses distances. Et là, pourquoi un télémètre ou une montre La montre, vous pouvez apprendre, je dirais approximativement votre distance. Avec lui, vous connaissez parfaitement vos distances. Pourquoi Parce que qu'au practice, vous pouvez euh, viser des cibles, vous allez voir à quelle distance va la balle, ou sur le parcours, vous allez pouvoir être plus précis. Vous savez que le drapeau est à 134 mètres, vous avez tapé un très bon coup de fer 8, l'impact était 5 mètres avant le drapeau, donc vous savez que vous faites probablement 129 ou 130 mètres au fer 8. C'est toute cette utilisation, où vous allez être un tout petit peu plus précis avec le télémètre, et pour connaître vos distances, c'est un outil d'entraînement absolument formidable. Donc un outil de choix d'options au départ et un outil d'entraînement. Et c'est pour ça que pour moi, si j'ai un choix à faire, le télémètre est le meilleur outil, principalement celui-ci, parce qu'il y a le dessin GPS à côté, pour faire des choix. Et ces choix-là, dès l'instant où vous les avez faits, je me répète. Et sur ce trou-là, pour finir, c'est ce qui est le plus intéressant. Je sais que moi, j'ai deux choix sur ce trou-là. C'est le premier choix, un coup de fer 4, grippé court. Coup de fer 4. Est-ce que le trackman marche toujours Max Ouais. Grippé court, la balle au milieu, le poids, la pression un tout petit peu à gauche, avec un finish assez court. OK. Je ferais bien. Je, il faudrait que tout le monde soit... Que, à chaque fois, je n'ai jamais aussi bien tapé. Donc, quelle distance est-ce que j'ai fait ah, Il est quand même puissant ce faire 4. Il est quand même un peu puissant ce faire 4. Puisque là encore, il faut que je fasse très attention. Pitcher à 160, rouler à 184. Donc je sais que c'est vraiment un petit faire 4, presque faire 5. Donc ça, c'est la première solution, mais qui est presque pas... Au fur et à mesure, je me dis que c'est pas la meilleure solution. Je pense que la meilleure solution, en fait, pour moi, sur ce coup-là... On a un petit problème avec l'iPad. Allez, c'est pas grave. Je pense que la meilleure solution, finalement, pour moi, est le driver. Parce que c'est à ce moment-là où le fairway va être le plus large. C'est à ce moment-là où je vais être sûr de carrier les bunkers. Comme quoi, de temps en temps, la stratégie peut être une stratégie pas forcément agressive, mais logique. Ce n'est pas parce que j'ai pris le driver que je suis forcément agressif, mais en tout cas, c'est plus logique. Ah, celle-ci va rouler beaucoup. J'ai bien aimé celle-ci. Pourquoi Comme je vous l'ai dit, c'est un dog leg gauche. Donc, ça, j'ai fait un choix qui était pas mal. Je sens que j'ai du mal à. un peu de mal à porter la balle en ce moment mais c'est pas très grave Alors... donc là qu'est ce qu'on constate j'ai pitché à 125 mètres 126 elle a roulé à 157 ce que j'ai bien aimé pour tout vous dire sur ce coup là c'est la trajectoire qui était pour une fois pas si mal j'ai fait une balle légèrement en draw sur ce trou là, c'est ce qu'on recherche donc c'était pas si mal. Donc, pour finir, ce qui est sûr, c'est que grâce à mon outil, j'ai pu déterminer quel choix faire et à l'entraînement, j'ai pu me préparer à faire le bon coup. Et quand j'arriverai au trou numéro 8 du golf du Vaudreuil, je me poserai plus aucune question. Je sais que pour moi, sur ce trou là, c'est le driver parce que le fairway c'est l'endroit où il sera le plus large en plus, c'est ma trajectoire entre guillemets préféré et je sais que je passe les bunkers sans difficulté. Donc c'est comme ça qu'il faut que vous entraîniez. Comme l'a dit tout à l'heure Yannick, il faut connaître ces distances. C'est primordial et il faut que vous ayez un outil qui vous permette de déterminer votre stratégie au départ. Et gardez en tête que quand vous connaissez, les, même en connaissant le parcours, les parcours, de temps en temps, on n'a pas cette lucidité. Euh, et, et gardez en tête qu'ici, par exemple, au Goeuf-du-Vaudreuil, euh, j'ai un départ, le départ des, des Noirs est tout au fond là-bas, 50 mètres derrière. Là, on est au milieu des Jaunes et, et on peut aller encore 20 mètres devant au niveau des Jaunes. Donc, tous les jours, vous jouez un parcours différent parce que les conditions climatiques sont différentes, parce que les boules de départ ne sont pas placées au, au même endroit, qui fait que vous devez vous adapter. Et pour vous adapter, utilisez ces outils. Qui vont vous faire un bien fou. Donc, pour Noël, golfplus.fr, faites-vous, euh, faites en sorte que quand vous allez rejouer, vous allez mieux jouer parce que vous aurez des outils qui vous permettront de faire les bons choix. C'est aussi important que d'acheter un club de golf. Voilà, merci beaucoup. Euh, merci à tous. Merci Sylvain, Fabien, merci Philippe. Euh, et à très vite sur les antennes du journal du golf. Merci pour votre fidélité. Euh, passez un bon après-midi. Euh, si vous n'avez pas vu le live de Lewis Wallace je vous conseille de le regarder parce que lui, il utilise un montre, il vous expliquera comment il fait. Euh, très intéressant. Euh, N'hésitez pas à aller regarder un, un reportage hyper intéressant sur les nouveaux drivers Titleist fait par Benjamin Cadieu, euh, l'analyse du, du, du swing de, de Dustin Johnson, le, le vainqueur du Masters. Enfin, voilà, plein de choses toujours pour profiter de votre sport favori et d'apprendre à être meilleur même de chez vous. À très vite.